Il s'est initié à la photographie bien avant de faire du cinéma. Quand il réalise ses clichés, Cédric Clapiche cherche des idées pour la réalisation de son nouveau film, entièrement tourné en Bourgogne. Mais devant la beauté de ses photographies, il décide d'en faire une exposition. Il y a beaucoup de photos avec des grilles. Il y a souvent ça en Bourgogne, il y a soit des murets, soit des grilles ornées quoi, en ferronnerie. Et les ferronneries aussi imitent des motifs floraux. Et j'aime bien le fait qu'il y a tout le temps ce va-et-vient entre le fait que les hommes admirent la nature, du coup utilisent la nature pour chez eux, pour leur maison, et en même temps travaillent la nature. En marge du film, il charge le photographe Michel Baudouin d'une mission un peu particulière, suivre l'évolution d'un cerisier pendant un an. Le timelapse final donne à voir l'enchaînement des quatre saisons et une nature constamment renouvelée. C'est un travail qu'on a mené depuis 5 ans maintenant. Et voilà, maintenant c'est le résultat. Et son film sort très prochainement. Et je pense que c'est un sujet qui me tenait bien à cœur de travailler sur le vignoble bourguignon et raconter une histoire par rapport à ça. Après avoir été exposé à Paris, les clichés devraient rejoindre la Bourgogne, là où l'homme et la nature sont étroitement liés.